Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse, que vous êtes plus en forme que moi. C'est une semaine que je suis malade, que je suis épuisée et fébrile. Mais allez, on lâche pas l'affaire, on continue le petit défi, challenge, de Sylvie de Côte Partout. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au monde des tags sur le thème de l'enfance. J'ai choisi plutôt que de partir sur le truc nostalgique, j'ai très jolies images aussi, mais j'avais envie de faire quelque chose de très coloré. Ça va me permettre d'utiliser là ces papiers que j'avais trouvé chez Action. Galaxie un peu perlescent. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus essayer sur le côté imaginaire, coloré de l'enfance. Donc voilà, je vais sûrement vous mettre que de la musique parce que j'ai fait une introduction, ça y est, je suis essoufflée. Allez, on va voir ce que j'arrive à faire dans cet état. On fait ça ensemble. ABS Media Demo. J'avais envie de mettre ce petit personnage dans sa galaxie imaginaire et colorée. Ah, celui-là est plus coloré. Ça fait moins espace. Je vais partir sur le plus neutre. Je rajoute un peu des éléments de déco. Je vais mettre sur une cartonnette un sticker pour pouvoir le mettre bien en relief. J'hésite. Le livre. Puis j'ai longtemps hésité aussi avec Alice. Alice au pays des merveilles, c'est bien. Ça représente bien aussi l'imaginaire, l'enfance. Là, déjà, si on fait tout le tour. Le papier légèrement glacé, ça met longtemps à sécher, zut.
crois que j'ai peur que ça fasse trop charger. Déjà que j'ai pas tendance à être sûre de moi. Alors là, ça, j'y arrive vraiment pas aujourd'hui. J'ai dit les petits bonbons qui flottent dans l'espace ou les petites bulles, c'était sympa aussi. Je sais pas, je l'aime bien comme ça en fait. Donc je crois que je vais arrêter là. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.